Those of us who survived the cataclysm and were not mauled by the creatures fled into the metro. There, in the outer darkness of the tunnels, we found refuge. And we will fight for our future until we die. Bienvenue, bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, et aujourd'hui on se retrouve sur Until We Die. Et oui, dans un métro apocalyptique, nous allons essayer de survivre, nous, Ivan, et oui, Ivan, et nous allons devoir survivre et mettre en place notre colonie dans le métro contre des créatures putrides, un petit peu comme ma grand-mère, ou peut-être même ce lampadaire fabuleux qui fout de la lumière un peu partout dans ma maison. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, je suis à donf, je suis un dingue, et je pense qu'on va passer une très bonne session, une très bonne soirée ensemble. Donc nous avons deux personnages que nous pouvons incarner. Donc nous avons Ivan, donc, qui a quitté l'armée et consacré la suite de sa vie à l'élevage de gibier sur un domaine de chasse. Chasseur professionnel, il ne craignait ni les prédateurs ni les braconniers. Il s'est révélé être un travailleur dur à la tâche et doté de qualités de leadership évidentes. Il maîtrise les armes à feu. Son avantage, son le tir puissant. Et je ne parle pas d'autre chose en dessous de la ceinture, bande de délinquants. Toutes les cinquièmes balles d'Ivan sont explosives. Ses inflige des dégâts plus importants. Il a 58 ans et il vit à Moscou et il s'appelle Tolstoï. Il va envoyer des bouquins à la tronche des ennemis avec sa cigarette. Attention les enfants. Et après nous avons Anna. Donc Anna, avant l'invasion, elle travaillait comme coach personnel et aimait tirer sur des cibles pendant son temps libre. Et on ne parle pas non plus jeune délinquant d'homme bien habillé et fringant. Elle a également remporté de nombreux concours. Dotée d'une forte volonté, elle met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Elle ne sort jamais sans son fusil de chasse qui appartenait à son père. Les autres armes ne l'intéressent pas. Avantage, bon appétit. Elle régénère de l'endurance quand elle ramasse de la nourriture. Elle a 26 ans et elle habite elle aussi à Moscou. Bien entendu, le métro. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, en gros, c'est un petit peu un clin d'œil à la série Métro et un petit peu un clin d'œil à plein de jeux assez difficiles. Comme un petit peu, on est un petit peu sur du Metal Slug aussi. Moi, ça m'a fait penser à ça. Alors, peut-être que je me trompe, mais moi, ça m'a fait penser à ceci. Oh mon Dieu, qui n'a jamais joué à une borne arcade avec Metal Slug? Oh, ou Metal Slip, à vous de voir. Mais bon, l'un ou l'autre, il y en a un qui s'enfile, l'autre, bah, qui t'enfile. Bref, c'est parti, nous allons prendre Ivan. Choisir la configuration de son jeu. Les éclaireurs ont confirmé l'intégrité du puits de ventilation de la station Elektrozavodskaya. Il a été indiqué de prendre possession de cette zone et d'utiliser la mine pour livrer du ravitaillement depuis la surface. Votre tâche est de rétablir l'alimentation électrique de la station et de survivre pendant 28 jours, plus tard, avant l'arrivée de nos forces principales. Bonne chance, commandant. Ils ne savent pas qui ils ont envoyé. Ils ont envoyé Ivan. Et nous allons enfin pouvoir éclater de la vermine. C'est parti. Alors, comment ça se passe, tout ça? Appuyez sur Y pour passer le tutoriel. Mais je m'en fiche, le tutoriel, nous allons le faire. Je vais me retrouver bloqué après. Commandant, nous arrivons. Ah, tu as une tête un petit peu de Steven Spielberg. Oh, que se passe-t-il? C'est de la Camelot. Pouvez-vous m'aider? J'ai besoin de ferraille pour réparer la drésine. Ah, toujours obligé de tout faire ici, ça m'énerve. Dimitri, ou Dimitri, oh là là, on a oublié... On a vraiment explosé ton nom à toi. Greb et Talas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des caisses, on a des champignons. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je fasse quoi? Là, on peut tirer. Alors, invoquer, viens ici. Toi aussi. Allez, travaille plus vite, Talas. Non mais oh. Vous venez tout, hein, du métro? Je ne pense pas. Nous avons des caisses, là. Est-ce que tu peux fouiller? Tu peux faire quoi? Reculer! Tu me donnes des ordres, Steven Spielberg? Hop! Viens ici. Non, c'est bon, il travaille assez. Alors. Payé! Tiens, répare, enfoiré de communiste. Ah, je suis un... La drésine est prête à repartir. Je reviendrai demain avec des renforts. Oui, c'est ça, c'est ça. Le temps que t'arrives, on sera tous morts. Ordonnez à réparer. Tenez, allez-y.
Du nerf, soldat. À ce qui paraît, ça sent un petit peu le mutant ici. J'ai un temps au service, nous pouvons équiper notre camp. Ah, parfait, parfait. Nous devons maintenant renforcer nos défenses en construisant un mur. Allez-y, les gars, on est parti. Alors, ordonnez à des pilleurs, ordonnez à vos soldats de piller des caisses. Ok, alors, on va les ordonner. Allez, vite, essaie. Toi, essaie. Et toi, encore ici. Allez, plus vite que ça. Dunel, moi, je vous regarde. Hop. Ah, que c'est bon. Oh, nom, nom, nom. Nom, 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 les petites pièces en métal. Voilà, merci, merci. Allez, Dimitri, dépêche-toi. Taras aussi, Greb. C'est parfait. Il faut combien? Hop, allez-y. Il nous faut un mur pour nous défendre. Un sacré mur. Bon, allez, aide-le parce qu'il a du mal avec sa pioche. Mais pas comme ça. Pas avec un marteau, avec votre tête. Ça marche plus. Et voilà, vous pouvez affecter des membres de votre escouade au mur et en déployant jusqu'au drapeau. Ok. Les techniciens et les habitants qui ont été affectés au mur le répareront si nécessaire. Bon, au moins, ça, c'est gagné. Parfait. On est en sécurité derrière le mur. Maintenant, construisons une fabrique de pelles. La pelle est, le meilleur ami du soldat. Comme la vodka. Mais ce sera que pour moi. Allez-y. Oh là là. On va voir s'il y a des caisses. Allez, va là-bas. Il n'aime pas les champignons. Vous êtes très lent, hein? Très lent, très lent, très lent. Mais bon, ça me tarde de défoncer un petit peu du mutant. Allez, Dimitri, plus vite que ça, avec le coude. Comme tu t'amuses dans ta piole, je t'ai vu. Allez, avec le coude. Merci. Pour rendre l'opérationnel de l'atelier, vous devez y envoyer un ouvrier. Allez, travaille. Fais les pelles. Au moins, tu enrouleras moins, peut-être. Transformé. Allez, les gars, mettons-nous au travail. Appuyez sur le bouton du pad left et du pad right pour réorganiser votre équipe. Alors, ça fonctionne comment, ça? On va regarder. Alors, ça, c'est... Oh! Hey, Steven Spielberg, tu m'amènes qui? Je suis de retour. Je vois que vous ne refusez pas un coup de main. Je peux vous aider. Je vous apporterai des volontaires et de la ferraille en échange de nourriture. De la nourriture? Ah! Oh! Pas besoin de le jeter, hein? Je suis là! Hop! Allez, Taras, tu l'aides. Toi, tu prends une pelle. Et tu vas là. Hop! Comme ça, tu te battras avec une pelle. Salut, Alexei. Alors, sélectionnez le bonus pour améliorer le générateur. Agitateur. Pour les deux prochains voyages, le marchand amène un adepte supplémentaire. Pour chaque habitation de 4e niveau, un vagabond viendra à la base. Oh, c'est intéressant. Réseau d'abri. Après avoir allumé le premier tonneau, un vagabond viendra à la base. Un tonneau actif augmente le plafond de population de 1. Le sol s'enflamme autour du tonneau tandis que les mutants courent. Oh, mais ça c'est dingue. Allez, on va prendre ça. On va prendre le tonneau. J'aime bien quand tout crame. Alors, un tonneau. Comment qu'on fait? On m'a pas tout expliqué. Tiens, viens ici. Payer. Ah. Alors. Allez, toi aux caisses. Toi aux champignons. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, encore un drapeau. Alors, le tonneau. Comment je fais? Ça c'est bon, ça c'est pour attaquer. Là on est pas mal. Les survivants peuvent se cacher dans des salles. Ok, ok, ok. Donc, toi, prends une pelle et viens ici. Voilà. Ça me fait un peu de champignons. On va lui donner à ce petit Steven Spielberg. Il a toujours besoin de champignons. Tout le temps. Tout le temps que je le connais, il demande tout le temps des champignons. C'est pas possible. Allez, ramasse-moi ça. Hop!
On a quoi ici? Ah, pas mal de petites choses. Il nous en manque un petit peu. Voilà, très bien, Taras, très bien. La brume s'épaissit, cachons-nous derrière les murs. Oh, ces enfoirés arrivent. Il nous en manque un. Vite, Taras, vite. Autrement, tu vas avoir chaud aux fesses. Allez, viens ici. Vite. Il va te falloir une pelle pour te battre. Il n'y a que moi qui ai une arme. Allez, Steven Spielberg, roule. Et dépêche-toi. Hop. C'est bon. La nuit tombe. Il faut être prudent dans les tunnels. Personne ne sait ce qu'on y trouvera. Rechargez. Poussez-vous. Poussez-vous, sale moustique. Allez, on court. Vite, vite, vite. Oh, jour 1, appuyez sur n'importe quelle touche. Oh, c'est fait défoncer. Oh, on a survécu qu'un seul jour, mais en même temps, c'était la première. Oh, Ivan. Ivan. Ivan est beau, il est musculeux. Il est musculeux. Allez, c'est parti. Voulez-vous retourner dans le métro? Oui, c'était la première. Ok, cette fois-ci, on y va. Donc il faut surveiller ce petit avant-poste. On va essayer de gérer ça. Alors, il est en panique totale. À chaque fois, il me fait le coup. Viens ici. Allez, hop, toi aussi, Philippe. Allez, Philippe, vas-y. Hop. Taras, Philippe. Ok. Ah, il peut pas récolter encore. Hop. Hop. Et voilà. Allez, dépêche-toi, Philippe. Merci. On répare le générateur. Et cette fois-ci, ces mutants n'auront pas le générateur. Je vais y mettre des bunkers. Je vais m'y mettre nu. Ça les fera fuir. Hop. Allez, on est parti. C'est parti. Ah, il faut des boulons. Normalement, c'est que dans Stalker, ça. J'avais un cousin qui y jouait. Hop. Mais là, c'est la vraie vie. Là, on va avoir des mutants, Taras. On va moins rigoler. Ça va être très dur. Très dur, très dur. Allez-y. Hop. Faudrait vraiment que j'arrive à laisser un mecton là-bas, juste ici. Vous pouvez affecter des membres de votre escouade. Bon, ça, on l'avait vu. Eh bien, écoutez, on va déjà, lui... Hop, fouille-moi ça. Venez ici, un ici. Allez, hop, on fouille. Mon Dieu, qui sont là, qui sont là. J'ai le temps de finir ma cigarette 6 fois qu'ils n'ont pas fouillé un quart de ces caisses. Allez, hop. Allez, Philippe. Un coup de marteau à gauche, un coup de marteau à droite. Allez, on fait la lambada. Allez, c'est parti. C'est très facile. J'ai construit ma lambada comme ça. Allez, vite, vite, vite. Mais qui sont lents? Mais qui sont lentilles? Ils sont lents. Voilà, ça, c'est fait. Allez, toi, va construire des pelles. Très bien. Hop. Hop. On est parti. Un ici.
Est-ce que je peux en mettre un? Je suis de retour. Je vois que vous refusez pas un coup de main. Je peux vous aider. Je vous apporterai des volontaires à la ferraille. Oh oui, vous me l'avez déjà dit, oui. Bon, allez-y. Je connais ce morceau de guitare. Ça excitait les petites déchireuses de drap, hein, à Minsk. On dansait comme ça, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Comme Philippe quand il a construit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après avoir allumé le premier tonneau, bon, ça, on va pas le faire. On va prendre l'autre pour les deux prochains voyages. Ok, on va prendre celui-là. Comme ça, on aura un peu plus de monde. Toi, viens ici. Je sais pas que j'ai pas vu son nom. Par contre, on a un soldat. Allez-y, hop, il me faut des champignons. Vite, vite, vite. Faut se dépêcher. Voilà, très bien. J'aime bien les cèpes. Allez, et undo, 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 undo. Oui, c'est un mélange de russe et d'espagnol. Undo. Hop. Alors, appuyez sur le bouton pour réorganiser votre équipe. Voilà, comme ceci. Alors, les champottes. Hop, toi aussi. Allez, une amanite. Rien que pour papa. Un bolet de satin pour maman. Encore une phalloïde pour tonton. Et on finit avec une... ah, je sais pas, avec un cèpe ou encore un cèpe, je préfère les cèpes. Allez, hop, étouffe-toi avec. Ça, c'est fait. La barricade. Allez, vite. Allez, vite, vite, vite. On tape, on pioche, on tape, on pioche. Allez, vite, avant que les bestioles arrivent. Parce qu'elles ne vont pas taper et piocher, hein. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, réorganisation. Voilà, ça c'est fait. Toi, fouille ça. Donc normalement, on est pas mal. Allez, vite. Allez, on craft la pelle. Allez, allez. Comme moi, regarde. Très bien. Allez, Boson. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Allez, vas-y. La nuit arrive. Les murs sont faibles. Les mutants ont été aperçus à proximité du mur gauche. Allez, c'est parti. Allez, bim, 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 bim. S'il y a des ennemis alentour ou si l'héros a été blessé, celui-ci passe en mode danger quelques instants. Dans ce mode, vous ne pouvez pas interagir avec les objets ni affecter personne dans les tâches. Aucun souci. Allez, c'est parti. On tire. Et boum. Et voilà. Viens ici. Est-ce que tu peux les parler? Non, il peut pas les parler. Viens ici, viens ici. Va pas dans la brume, abulti. Je vais aller de l'autre côté. Hop. Comme quoi, fumer, ça aide. Il se passe rien ici, Arsène Lupin. Bon, désolé, on n'a pas de pain, mais au moins tu t'appelles Arsène. Hop. Allez, Buzel, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Il va falloir donner du mou là. Bon, la première journée était facile. Très facile. Oh, Steven, Steven, viens ici. Ah, deux nouvelles recrues. Oh, quatre même. Je vous ai trouvé un volontaire. Vous savez compter au moins? Ah non, ils sont deux. J'ai cru qu'ils étaient plusieurs. Deux. Alors, est-ce qu'on a des pelles? Bientôt une pelle. Alors, ici. Ah.
Ici, il veut pas. Là, voilà. Hop, hop. Donc là, il va nous faire des outils. Toi, fouille-moi ça. Et on va fouiller ceci. Voilà. Il va nous falloir des petits champignons. Une pelle. Ah, il nous a déposé du matériel aussi. Et ici. Hop. Allez, vas-y. C'est très bien, Vladimir. Allez, Vladimir, pour faire de la vaisselle, d'ailleurs. Oh, celle-là, elle était bien casée. Oh, oui, celle-là. Mais bon, aujourd'hui, on est russe. Ah, je suis mais hypé, hein. Pour faire un aparté, je suis hypé par le jeu. Le jeu est formidable. Le jeu est formidable. C'est un des genres de jeux, je pense, que je vais jouer, mais en off. Oh là là. Eh, hey, viens ici, toi. Hop, prends une pelle, mets-toi ici. Voilà. Très bien, Vladimir. Allez, cool. Petite foulée. Hop, hop. J'ai un plus gros sac à dos et je cours plus vite que toi. Ah, des champignons. Allez, vas-y. Allez, trouve-moi cette phalloïde. Allez, voilà, très bien. Viens ici. Allez, ramasse-moi ça. Et voilà. Et si tu vas là. Voilà, merci. Et voilà, Steven, tu peux partir. Bon, mais c'est plutôt pas mal. La journée va passer. Ça va tirer dans tous les sens. Je crois que j'ai fait le plein de munitions. Tout va être formidable. Hop, il m'en faut qu'un ici. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Il y a des bestioles. J'ai eu un flashback. Je les ai déjà vus, ces bestioles. Ramasse-moi ça. Je surveille. Hop, hop. Regarde, Arsène, on recharge comme ça. On met le chargeur en dessous, on le blé, on le met, et après, hop, on recharge. Oh, du mur de gauche, vite, 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 vite. On y va. Hop, hop, hop. Allez, vite. Hop. Oh là là. Ici. Il faut me réparer cette barricade. Est-ce que tu peux? Voilà, très bien. Très très bien, Vladimir. Hop. Hop. Allez, bim 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 bim. Hop, hop. Top 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 top. Ça c'est fait. Je vais laisser le constructeur ici, en attendant. Nous devons agrandir. On n'est que 5. Les autres, ils ne comptent pas. Ils sont dans les maisons. Bon, mais ce fut fort, fort plaisant. Il va y avoir Steven qui va arriver. Oh! Steven! Mon ami! Hop! Et voilà. Je vous ai trouvé un volontaire, il est un peu maigrichon, certes, mais il est musclé, il est à vous. Ah, de la bonne viande! Il s'appelle Stéphane en plus. Merci, merci, Steven.
Allez, Nicolas, allez, hop. Jour 3. Très bien, très bien. Ce morceau était à chier, Steven. Allez, hop. On va essayer de prendre cette maison qui est juste là. Très bien, très bien. Allez, dépêchez-vous un peu. Hop, comme j'ai dit, droite, gauche, droite, gauche. C'est pas parce que vous êtes arrivé qu'il faut se tourner les pouces, hein. Voilà, très bien. Tu m'imites, c'est très bien ça, c'est très bien. Regardez, la lambada. La lambada du métro. Hop, hop. Allez, un peu d'amaïte phalloïde. Un peu de girole. Un peu de cèpe. Un peu de bolé. Hop, hop, hop. Et je parle pas de la marque de lunettes. Hop. Très bien, très bien. Là et là. Hop. Ah, vous pouvez pas. On va reprendre ça. Il va nous falloir des pelles. Très bien, très bien. Allez, encore deux. Le marteau et la faucille, regardez au-dessus. Le marteau et la faucille, ça a toujours fonctionné. L'un y tape, l'autre y récolte. Tenez, Steven. Hop. Une pelle. On va essayer de déblayer. Les excavateurs peuvent déblayer les décombres avec des pelles. Envoyez deux excavateurs pour activer le travail. Hop. Allez. Hop. Allez, venez ici. Donc, le premier, il va là. Le deuxième, il va là. Et les deux autres, ils vont avec moi. Hop. Voilà, très bien, très bien. On tape, on tape. La pelle, ça sert pas à creuser. On tape avec. Voilà, très bien. Et comme ça, on va pouvoir s'agrandir. On va pouvoir faire un cabaret. On aura beaucoup de déchireuses de draps. Allez, on se dépêche. Très bien. Hop. Là, normalement, ça devrait aller plus vite. Et quand nous allons... oula, oula, oula. Vite, vite, vite. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. La brume. Je pourrais pas tous vous aider, hein. J'aide le plus sexy. Voilà, c'est tout. Allez, vite. On recharge. Tu vois ça, Taras? On recharge. On recharge. On recharge encore. Oh, c'est parti. On tire, on tire. Et voilà. Hop. Allez. On travaille. On tire. Oh. On court. On tire, on tire, on tire. Voilà. Allez. On continue. On le charge. Et voilà. Très bien, très bien. Les ténèbres. Très, très bien. On a du monde pour le défendre. On tire. Hop. Voilà. Le charge. Hop. Allez, venez, mes créantes créatures. Oh, Steven, Steven, tu les as vus? Tu les as vus ou pas? Ah, il est obligé de se mettre super loin à chaque fois. Je suis vieux, Steven. Ah, encore un Taras? C'est son frère? Allez, viens ici. Hop. Tu vas prendre cette clé à molette. Tu vas me suivre. Et tu vas rester là jusqu'à mourir. Voilà, juste ici. Hop. Ah, il faut tout faire ici.
Allez, dépêche-toi, Arsène. On tape, on pioche, on tape, on pioche. Allez, viens de ici. Allez, hop. Et voilà. Donc, un ici, hop, un ici. Et voilà. Et là, nous avons une très très belle tente. Formidable. Toi ici. Et toi, eh ben, je sais pas où te mettre. Ah, il va falloir des champignons. Bon, eh ben, on est reparti pour la tour. Eh ben écoutez les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo est un peu spéciale, hein. Eh oui, quand je vous dis que je me mets dans un jeu, je me mets vraiment dans un jeu. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir, que ça vous a pas un peu pris la tête pour certains. Et oui, vous avez pas entendu ma voix d'habituelle, j'étais Ivan, oh Ivan de voiture, Ivan de moto, un van de voiture, oh, c'était une blague, ou une van à eau, une van, oh bref. J'espère en tout cas que cette découverte vous a fait plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense qu'il y aura quelques petits épisodes comme ça, what the fuck, de temps en temps. Pour l'heure, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et surtout faites attention si vous avez de la vodka, n'en abusez pas. Salut tout le monde!